Salut à tous et bienvenue en ce mardi 24 novembre 2020. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire d'Alain Chabat, né en 1958, et de Thierry Lhermitte, né en 1953. Alors, ce jour, grosse invention. En effet, c'est l'invention de la poubelle en 1883, et devinez par qui? Eh bien, par Monsieur Poubelle. J'imagine bien la scène du genre... Bon. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue. Je vous ai réunis ici pour une raison de la plus haute importance. En effet, j'ai créé un objet, j'ai inventé un objet. Celui-ci, c'est un petit réceptacle. Un petit ou un grand truc qui permet de déposer les déchets à l'intérieur de celui-ci. Et ensuite d'être pris et ramassé par les camions poubelles qui seront inventés un petit peu plus tard. J'anticipe. Mais l'heure est grave, mes amis. Comment appeler cet objet? Je me base sur vous, sur votre réflexologie à trouver un nom digne de mon invention. Vous appelez comment, monsieur? Poubelle. Je m'appelle Monsieur Poubelle. Mais pour quelle raison? Poubelle. 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 Moi, je trouve que ça sonne bien, hein. En plus, à chaque fois qu'on mettra des déchets dans ce petit récipient, réceptacle, comme vous l'y annoncé tout à l'heure, on pensera à vous. Je pense que poubelle, c'est flatteur, c'est une bonne idée. Je dois avouer que c'est pas con. Pas con, pas con. Poubelle. Adjugé, ce sera une poubelle. Là, c'était mon petit kiff. Je doute que ça soit passé comme ça, mais... Pourquoi pas? Allez, on n'oublie pas de souhaiter la bonne fête aux Flora. Pour qui c'est la fête aujourd'hui? Vu qu'on souhaite bonne fête, c'est la fête à elle. À Flora, en l'occurrence. Donc, bonne fête. Voilà. Bon, sur ce, j'ai appris aussi qu'un homme peut marcher 3 jours sans boire. Ah bah non, c'est le chameau, ça. Ah oui, donc c'est l'inverse. Ah, donc ça veut dire qu'un homme peut boire 3 jours sans marcher. Ah ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Ah. À tester. Allez, salut et à demain.